On a voulu vous symboliser rapidement la mort aux proches, c'est le point qu'on va faire depuis la mort aux proches. C'est vrai que pour nous, c'était un lieu assez sensible, on a pris en compte la mémoire du lieu, ne pas non plus trop, comment dire, entre guillemets, bétonner, mais garder tous les éléments existants, les espaces végétalisés, les beaux arbres existants, donc on va essayer de préserver l'ensemble de cette végétation. On va trouver un grand parvis qui va organiser la petite maison des maîtres, qui sera complètement rénovée. On va retrouver le hall d'accueil, le bâtiment d'accueil, le parvis intérieur. On pénètre dans l'enceinte de l'établissement sous le contrôle des gardiens, les espaces des élèves. Puis on chemine le long des coursives protégées pour arriver à l'espace administratif qui sera en face. Administrative, vous avez bien vu l'espace de la cour bien ombragé par les grands arbres qu'on a voulu symboliser. Ce sont des arbres centenaires, vous le savez mieux que nous. L'espace pédagogique va s'organiser autour d'un espace végétalisé, ce qu'on appelle la coulée verte, en mémoire à la coulée oubliée de Marie-Anne, bien sûr. Les salles de classe bien ensilées, bien lumineuses, avec des éléments acoustiques, la coulée verte, bien végétalisée, où les salles d'enseignement vont s'organiser, la CDI, le bâtiment de CDI, l'espace pour l'évolution du projet. Bien sûr, de l'autre sens, on va arriver au plateau sportif. Donc deux espaces sont réservés avec le gymnase, donc il sera en mutualisation avec la ville. Espace gradin pour l'organisation des sports, la petite maison de maître rénovée, c'est un espace d'accueil, d'exposition, en vue d'ensemble. C'est un projet qui s'organise sur une topographie, donc vous avez un terrain légèrement en pente, donc il va épouser le terrain, bien ombragé. On a voulu conserver vraiment la mémoire du lieu en desserrant doucement les bâtiments dans cet espace. Bien sûr, les espaces de logement de fonction que vous avez en contrebas, les espaces de restauration, le parking personnel et entretien, les espaces bus, d'organisation de bus suivant la nationale, le grand parvis. Donc, c'est un projet vraiment qui s'insère dans un espace